à tous ces casins, j'espère que vous allez bien, je suis trop content, je viens de recevoir enfin ma première carte gradée chez PCA. Vous allez voir, c'est une magnifique carte. J'ai mis le prix, mais ça reste un prix très très raisonnable au vu de sa note, au vu de la carte. Donc franchement, ça fait plaisir. Je l'ai acheté sur internet, mais aussi c'est une boutique physique, la ligue du jeu de Invest Collect. Franchement, je suis pas du tout déçu. On va regarder tout ça ensemble. Je vais vous sortir les petits boîtiers que j'ai déjà. Parce que j'ai quand même quelques boîtiers, hein. Ceux qui me suivent le savent déjà. J'ai un petit boîtier PCA, donc là ce magnifique drac au feu. Franchement, que je trouve génial. Il faut un jour que j'achète des bagues, des protections adéquates. Hein. J'avais utilisé ça, c'était des protections qu'on achetait pour les top loaders. Faut vraiment que je fasse ça parce que PCA les envoie pas. Et j'ai un boîtier MTG avec l'ancienne étiquette. Franchement, il faudrait que je me procure quelques boîtiers avec une nouvelle étiquette. Ça peut être sympa. De ce magnifique Dracofeu Espèce Delta qui est pour moi certainement une des plus belles illustrations de Dracofeu. Et on comparera évidemment tout ça. Donc je vous rappelle que j'ai acheté ça donc, chez la ligue du jeu de Invest Collect. Et j'ai reçu ça donc dans une petite enveloppe une grande enveloppe cartonnée. Et qui contenait deux items, on va dire, parce qu'il y avait plusieurs choses dans la commande. On va voir ça ensemble. Tout ça, franchement, bien, bien emballé dans du papier bulle. Donc ici, on va la garder en dernier. C'est la carte, évidemment. Et puis là, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, je vais prendre quelques petites cartes. Puis pour les enfants, ça fera plaisir. Il y a des jolies cartes. On va découvrir ça tout simplement ensemble. Donc voilà, tout ça bien protégé. Chaque fois dans du papier bulle. Hop. Et on a ici toutes les cartes. Let's go! Franchement, ça fait plaisir. Alors, c'est beaucoup de cartes japonaises, puisque c'est la nouvelle série 12.5. On a ce magnifique, je crois que c'est Zoroark de Izui, en version Vesta. Je trouve que l'illustration est vraiment réussie, bien mieux que l'illustration qu'on avait eue sur la série précédente. Moi, j'aime bien ce Pokémon, mais il n'est pas toujours bien réalisé. On a Giratina, qui est magnifique, en version Vesta. Je crois qu'il n'était pas dans la version Astro Radio. Enfin, je ne sais plus. Franchement, je me mélange pas mal des choses. Est-ce que c'est sur cette série-là? Ouais, c'est S12A. Bon, je ne suis pas spécialiste en japonais, mais je trouve que l'illustration est vraiment très, très belle. Le Giratina. On a un magnifique Rayquaza. Alors, franchement, Rayquaza, j'en ai pas beaucoup des cartes. Je sais qu'il était sur Evolution Céleste. J'ai pas réussi à en avoir, etc. Donc, je me dis en version japonaise, ça coûte pas très cher. Et franchement, elle est très très belle cette VMAX. Le petit Gardevoir. Je voulais voir un petit peu comment ça. La brillance qu'il y avait sur les cartes japonaises. Et franchement, je suis pas déçu. On pourrait essayer de la comparer avec un Gardevoir. On continue avec ce magnifique Mew. Franchement, j'en ai pas beaucoup non plus des cartes Mew en ultra VMAX. Très très joli avec la version V. Petit Mewtwo V-Star. Oh, vous savez, je suis un grand fan d'Ectoplasma. Et du coup, j'ai pas pu résister. Elle est tellement belle. Avec cette lune derrière, Ectoplasma est super bien réussi. Le bord comme ça, c'est très très joli. Ça, c'est Palkia. Est-ce que je dis pas de bêtises? Ouais, c'est Palkia, forme originelle. Un petit drac au feu, franchement, très sympa. Là, on est sur des séries françaises avec les cartes TG. Je suis un grand fan des cartes TG, vous le savez. Et du coup, ben voilà, Altaria, même si je l'ai droppé, je crois que c'était hier. Mais c'est pas grave, franchement, elle est tellement belle. Un petit Roussil. Oh là là, le Ronflex. Lui-ci, j'aurais voulu l'avoir en ouverture. Tiens, j'ai une sleeve avec Giratina. Lui aussi, je l'aurais vraiment voulu l'avoir, mais bon, voilà, c'est comme ça, elle est magnifique, hein. Très très jolie. Ça, c'est des cartes qui valent pas très cher, franchement, je vous les conseille parce que je suis pas sûr que ça soit tout le temps comme ça. Alors, peut-être qu'on pourrait les trouver encore moins cher, possible, on connaît pas l'avenir, mais franchement, ça coûte quelques euros et pff, elles sont magnifiques. Hein. On n'a pas regardé l'état de la carte, mais je pense que c'est du voilà, c'est du sorti de booster en plus, elles sont vraiment très très belles. Il y a un petit défaut, un petit point ici, mais ça va quoi. Elles sont vraiment superbes, hein. Franchement, elles font vraiment plaisir. Ces petites TG comme ça, comme je vous ai dit, ça coûte pas très très cher les petites TG. Et voilà, hein, je pense que après on va plus les revoir. Hein. Celle-ci, Gardevoir. Archéodong, que je trouve vraiment super jolie. Et là, on arrive sur les séries 12.5. Hein. On va dire les équivalents des TG, quoi.
Magmar et les câbles, très sympa. Magnifique le classe, franchement le travail de la peinture, on dirait une peinture quoi, tellement c'est joli avec tous ces Pokémon. On a ici un Manaphy qui est magnifique, je crois que c'est du Dentikris, c'est du je sais jamais comment il s'appelle, Picasso. Et puis là on a des petits cocon baf, quelque chose comme ça. Ah celle-ci, elle est incroyable. Puis j'aimerais bien les comparer un petit peu avec les versions françaises, voir un petit peu la différence qu'il y a avec les versions japonaises. Quel déo! Avec cette aurore boréale comme ça, c'est magnifique. Franchement, puis les cartes japonaises sont souvent ont souvent moins de défauts. Le petit Articodin qui est magnifique. Un Celeroc. Waouh. Puis l'effet, hein, franchement, tout ça, c'est très très joli. Hein. Un petit Deoxys. Un magnifique Deoxys. Oh, aïe aïe aïe, j'adore. 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 Alors, cette illustration, je la trouve folle. Magnifique. C'est Élector de Galar, très très sympa. Les petits castors, très cool. Et on terminera avec ce. Alors, je sais jamais, Latios Latias, c'est pas grave. Magnifique aussi. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est cool de voir ces petites cartes. Et je dis, c'est des budgets qui sont relativement. Ça va, ce sont des petits budgets. Ça coûte pas trop trop cher ces cartes, les équivalents des TG, tout ça. Donc faut en profiter. Et enfin. Elle est là, donc parfaitement emballée aussi. Magnifique carte. Let's go. Vous allez voir. Donc vous voyez, vous le devinez là. Le magnifique Dracaufeu. Ah là là, ça fait plaisir. Version française. Voilà, je préfère quand c'est possible d'avoir les versions françaises. Je préfère largement d'avoir une version française. Elle est splendide. Vraiment très très belle. 10, donc c'est ce que je voulais. Je me dis quand c'est accessible, quand c'est possible d'avoir le 10, pourquoi pas. Très très joli. On est sur la série. Voilà, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je crois que je dois pouvoir avoir le site internet juste devant. Je crois que c'est Star Étincelante. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il me semble que c'est. Tac, tac, tac. Star étincelante, exactement. Star étincelante. Donc voilà, en 10, nickel. Franchement, très, très, très content. Ça fait plaisir. Je l'avais pas en plus. C'est une illustration bah, que j'avais pas dans la collection. Donc maintenant, c'est l'occasion de faire comme ça. Petite carte. Et on va les comparer. Donc on voit un petit peu le gabarit. Alors le gabarit est plus imposant hein, que la version PC. Alors moi, c'est vrai que les boîtiers, j'aime bien les boîtiers PC. C'est cool. Parce qu'ils sont plus petits, tout simplement. Puis je trouve que la vignette est vraiment jolie chez PCA. J'aime bien. Mais je crois qu'il est plus fragile. Il a l'air beaucoup plus fragile chez PCA. J'ai l'impression que s'il tombe, on n'est pas bien. Celui-ci est plus costaud, plus gros. Il est même plus gros qu'une version PSA. Un petit peu plus gros. Celui-là, j'aime bien parce qu'ils sont robustes. Ils sont robustes. L'étiquette est moins jolie. C'est ça le problème. C'est vraiment l'étiquette. Mais je crois qu'ils ont changé l'étiquette. Donc ça serait intéressant. De voir les nouvelles étiquettes, ça pourrait être super cool. Et celui-ci, bah, c'est un petit peu mélange des deux, c'est qu'il est un peu plus robuste, un peu plus gros. L'étiquette est sympa. Voilà, c'est un petit peu un mélange des deux. Et on a le boîtier PSA qui est quand même très, 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 très cool. Donc voilà, très satisfait en tous les cas de mon premier achat chez eux, évidemment. Et bah, je suis très satisfait d'avoir enfin cette première full art en plus de Dracaufeu. Qui est un Pokémon que j'adore. Je ne dirais pas que c'est mon Pokémon préféré, mais ça se bat avec Ectoplasma. Puis il y en a d'autres aussi, j'aime beaucoup. Et bah, ça fait plaisir d'avoir mon premier 10. J'ai pas eu de 10 chez PCA, j'ai eu des 10 chez MTG. Mais ça, c'est mon premier 10 chez PSA. Enfin, ça, c'est facile, hein, puisque j'ai rien envoyé. Et ça, c'est un petit peu le problème. Quand vous envoyez, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout simplement un 10. Voilà, j'espère que ce petit bilan achat vous aura plu. Il y en aura régulièrement. Je ferai peut-être des petits bilans achats comme ça, 2-3 fois par mois. Avec des cartes pour des cartes gradées, je trouve que c'est cool, pour agrémenter tout simplement ma collection. Je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao!